Bonsoir, bonsoir à tous et bienvenue une fois de plus à ce webinaire de présentation de la technologie de transport à cordes. Alors, je suis très content d'être avec vous ce soir, très content de pouvoir partager encore une fois de plus avec vous quelques dernières nouvelles chaudes du projet. Vous savez, nous sommes dans un projet de transport qui s'apprête à occuper plus de 50 du marché mondial du transport. Ce qui fait donc que nous allons occuper le grand gâteau. Nous allons pouvoir couper notre part de ce gigantesque gâteau qu'est le transport. Et avec une technologie de transport qui est près de 10 fois moins chère que toutes les autres technologies de transport existantes. Donc c'est quelque chose de magnifique. Bien évidemment, je suis Donatien Gérard. Investisseur dans le projet depuis 2018. Alors, aujourd'hui, bien évidemment, dans ce webinaire, nous aborderons les sujets suivants. Nous commencerons par parler des dernières nouvelles du projet. Puis, nous verrons quels sont les facteurs négatifs de l'activité de l'homme qui conduisent à la construction de l'environnement. Nous parlerons des problèmes et des risques des systèmes de sécurité des transports actuels, les possibilités également et les perspectives du système de transport innovant U-Sky qui est en train d'entrer sur le marché mondial du transport. Je vous montrerai comment vous pouvez contribuer à l'avènement de ce transport écologique. Par la suite, nous verrons qu'est-ce que Skyward Community vous offre et aussi quels avantages et perspectives vous tirerez, vous bénéficierez de votre participation à ce magnifique projet. Alors, la grande nouvelle, c'est que l'Unibike a été présenté à l'exposition InnoTrans 2022 à Berlin. C'est un salon ferroviaire d'Europe, l'un des plus grands salons ferroviaires d'Europe, et une technologie comme celle-ci qui se retrouve là-bas. Ça montre que nous avons du sérieux, nous avons quelque chose à apporter au monde et le monde n'attend plus que nous. C'est la technologie de transport que tout le monde attend, comme j'aime souvent le dire. La délégation de l'autorité des routes et des transports de Dubaï a présenté le plan de développement des transports en commun et le modèle Unibike au Salon international InnoTrans 2022 à Berlin. Nous vous rappelons que la préparation de l'appel d'offres RTA pour la construction des routes à Dubaï est en cours. Parmi les 30 participants, 5 offres ont déjà été sélectionnées, parmi lesquelles le transport à cordes. Évalué. À quoi ressemble le stand d'Unibike sur cette image? Vous pouvez aussi vous référer à la vidéo d'introduction de ce webinaire pour voir comment ça s'est passé et quelques images de l'événement. Alors, de nouveaux délégués indiens ont visité le centre d'essai de Sharjah. Les dirigeants de Green Hydrotech Project ont visité le centre d'essai de la technologie à cordes à Sharjah. C'est une entreprise qui aide les organisations étrangères dans le secteur des énergies renouvelables à entrer sur le marché indien. Lors de la visite du centre, les clients ont fait un tour sur un Unicar tropical certifié, ont visité la salle de contrôle et ont vu un modèle de transport à cordes pouvant atteindre 500 km par heure. Les délégués ont apprécié la technologie présentée et ont exprimé le désir de collaborer avec le projet sur les énergies renouvelables. À son tour, les représentants du centre ont confirmé la volonté d'avoir des relations d'affaires avec Green Hydrotech Project. Pour rappel, ce ne sont pas les premiers invités de l'Inde. Avant cela, le centre d'essai de Sharjah a été visité par le représentant du ministère du Tourisme et les délégués proches du gouvernement de ce pays.
Alors, importance des expositions pour le projet. Entretien avec le PDG de la société de développement à Unisk String Technologies. Le site web de la société de développement de transport à cordes. Sur le site web de la société de développement de transport à cordes, autant pour moi, il y avait une interview avec le directeur général Nadejda Kasareva. Nous vous proposons donc un bref récit de ce matériel. Pourquoi est-il important, première question, pourquoi est-il important de participer à des expositions? La présence à des expositions augmente la notoriété de l'entreprise sur la scène internationale. Les employés de l'entreprise ont l'occasion de découvrir quelles technologies sont en demande sur le marché. Les expositions demandent à établir de nouveaux contacts d'affaires. À qui s'adressent les présentations du projet, justement? Les représentants des grandes entreprises qui ont besoin de la livraison de matières premières au lieu de traitement et le traitement des produits des lieux de production aux nœuds logistiques. Les fonctionnaires qui forment des programmes de développement des systèmes de transport dans les régions. Quelles sont les questions les plus fréquemment posées par les visiteurs des expositions? Auparavant, beaucoup de gens demandaient comment le transport à cordes fonctionnait. Maintenant, combien coûte la construction et l'exposition d'un complexe de transport et d'infrastructure et où vous pouvez vous adresser pour discuter les détails de la transaction? Quelles expositions ont été les plus réussies pour l'entreprise? Tout d'abord, l'Inotrans 2016, Unibus de 14 places et Unibike de 2 places ont été présentés pour la première fois. Inotrans 2018, première présentation du transport à grande vitesse. Sommet mondial des gouvernements 2019 à Dubaï, nous avons présenté un Unicar et un Unibike à de hauts responsables, dont le cheikh de Dubaï. Expo 2020, les invités du monde ont visité le centre d'essai de Sharjah et ont essayé le transport en action. C'est l'exposition, autant pour moi, la plus performante de toutes les précédentes. Expo 2020 l'année passée en octobre, c'était magnifique. Quelle exposition a apporté des résultats tangibles? Après le sommet mondial des gouvernements de 2019, le ministère des Transports de Dubaï a annoncé une piste de 15 km. Nous pouvons parler publiquement de ce projet parce que l'autre partie l'a déclaré. Comment mesurer l'efficacité de la participation aux expositions? Il existe plusieurs critères d'évaluation. L'augmentation de la notoriété de l'entreprise, par exemple. Mentions dans les médias, contacts commerciaux et documents signés, nouvelles solutions techniques avec l'événement. À quel point est-il difficile de préparer l'exposition? Cela dépend de l'ampleur de l'événement. Au début, peu de gens nous connaissaient. Alors, nous présentons la technologie aussi largement que possible. Nous apportions des modèles de transport, préparions des documents, créions des vidéos. Aujourd'hui, la situation est tout à fait différente. Les expositions sont plus nécessaires pour conclure des contrats que pour se déclarer au monde. Par conséquent, les grands stands ne sont pas nécessaires. Alors, voilà quelques nouvelles chaudes du projet, quelques nouvelles intéressantes qui attestent encore que nous avons tout pour pouvoir être les meilleurs sur le marché dans cette technologie. Alors, c'est quoi la technologie de transport à cordes? C'est une solution innovante au problème moderne de transport urbain et interurbain de marchandises et à grande vitesse. C'est un projet international qui se développe en Biélorussie et aux Émirats arabes unis, offrant la possibilité de devenir copropriétaire d'une technologie qui n'a pas d'analogue dans le monde. Ok, que devez-vous donc savoir avant d'investir dans Unisk String Technologies? C'est un projet international qui est engagé dans le développement de nouveaux types de transport électrique qui se déplacent le long du rail à cordes à haute résistance. Aujourd'hui, le transport est testé en Biélorussie et aux Émirats arabes unis pour une mise en œuvre dans le système de transport urbain et interurbain du monde entier. Comment est-ce que les investissements se passent? Les actions d'une technologie ne sont pas du tout des titres négociés en bourse. Elles ne peuvent pas être achetées comme des actions en bourse. L'enregistrement
des investissements dans cette entreprise a lieu dans le cadre d'un accord de prêt convertible que l'investisseur signe. Les prêts convertibles courants dans le secteur des startups aux États-Unis, par exemple, il existe deux formes spéciales de tels accords, tels que le SAFE, Simple Agreement for Future Equity, et KISS, Keep It Simple Security. Alors, en 2004, en 1914, pour moi, l'usine de confiserie russe appelée Enyem produisit des bonbons avec des inserts publicitaires réalisés par un artiste de science-fiction. C'est ainsi qu'il a représenté le monde dans un avenir proche. En voilà un wagon à jouer avec. En voilà une escatade à jouer, autant pour moi, avec un wagon suspendu juste là derrière. Ici, dans l'illustration suivante, on voit les voitures et les tramways qui entrent en collision. Les gens courent, essayant de ne pas tomber sous les roues, mais dans le ciel, on aperçoit le même tramway céleste. Alors, cette situation ici que vous voyez, vous êtes déjà familière. Nous tous, quel que soit le pays du monde dans lequel nous sommes, nous faisons face au problème d'embouteillage. C'est notre monde, c'est le transport de niveau 1, c'est-à-dire le transport qui se déplace directement à la surface de la Terre. Chaque année, 1,5 million de personnes meurent dans des accidents de voiture. C'est bien plus que toutes les tragédies énumérées, que ce soit par accident de transport, par blessure professionnelle, catastrophe naturelle ou autre. C'est bien plus que toutes les tragédies énumérées. Les effondrements de transport affectent l'économie. Les ports surchargés n'ont pas le temps de traiter les marchandises. Et donc, les navires sont obligés d'attendre chacun leur tour. Ainsi donc, nous désignons les deux premiers problèmes du transport moderne aujourd'hui, le trafic dense des routes et le manque de sécurité causé, bien évidemment, qui cause bien évidemment la mort des personnes. En construisant des routes, l'homme a envahi la nature. La nature, elle vit sa vie et essaie de résister à l'homme tant bien que mal. Celui-ci reste persévérant, tellement insistant qu'il oublie même qu'il tue le monde dans lequel il vit. Le poison, le carburant que l'on utilise aujourd'hui, c'est un poison pour la nature. Elle ne peut plus résister. Le prochain problème majeur de notre époque, c'est la pollution de l'environnement. Alors, le passage du transport moderne à l'électricité aujourd'hui ne résoudra pas le problème de l'écologie, c'est clair. Le fait est qu'en branchant une voiture dans une prise de courant, nous nous connectons à des centrales électriques qui, elles, fonctionnent à partir de combustibles fossiles. L'un des moyens donc de sortir de cette situation est de créer des machines avec moins de consommation d'énergie. Donc, le quatrième défi de notre époque, c'est celui de réduire la consommation d'énergie. Dans différentes années et de différentes manières, autant pour moi, les gens ont essayé de monter à la surface de la Terre, plus haut, deuxième niveau, où il n'y a pas de problème avec la pose des routes à travers les fosses, les ravins, les rivières, les forêts. Mais cela ne se réduit qu'à la construction de la même route posée sur des piliers massifs. Les énormes coûts de matériel restent évidents. Les tentatives de construire une route à l'envers ont été faites comme au siècle dernier en Allemagne et de nos jours en Chine, un tramway avec des roues sur le toit diffère d'un tramway terrestre en ce qu'il y a moins d'espace occupé sur le sol. Mais c'est la seule différence. Ces photos que vous voyez ici n'ont jamais été classifiées confidentielles, mais pour une raison quelconque, personne n'a jusqu'à présent combiné ces deux technologies, à savoir le déplacement sur un câble tendu et un moteur électrique intégré dans la roue. Si vous remplacez pour ces enfants italiens qui traversent la rivière leur simple roue rouleau par des roues électriques, nous obtenons un nouveau système de transport. Il ne faut bien évidemment pas confondre ce nouveau système de transport avec le téléphérique ou le funiculaire. Ces derniers n'ont pas leur moteur. Ils sont simplement tirés sur le câble, les voitures du téléphérique au-dessus de la surface du sol, le funiculaire sur le flanc de la montagne. Le transport donc que nous allons examiner aujourd'hui a son propre moteur et sa propre structure de trajet.
Alors, il s'agit donc du transport à cordes. Qu'est-ce que c'est? C'est le transport à cordes du Sky. Il s'agit donc d'un ensemble constitué de villes linéaires et écomaisons et ports maritimes. La mise en place de systèmes de transport à cordes n'est que l'une des premières étapes du développement à long terme du projet U-Sky. Plus les pistes à cordes apparaissent dans le monde, plus le besoin de changer l'infrastructure des villes et des zones suburbaines est grand. Et ce projet U-Sky contient aussi des éco-maisons, qui sont des maisons écologiques, vous voyez, qui peuvent fonctionner d'eux-mêmes. Vous voyez, ils fonctionnent à partir des panneaux solaires, produisent eux-mêmes leur électricité. Au-dessus du toit, on peut voir, bien évidemment, qu'il y a tout un jardin qui peut produire leur propre nourriture. Et bien d'autres éléments qui font que c'est tout un oasis qui peut fonctionner facilement en plein désert. Alors, nous créons l'industrie des transports et des infrastructures qui n'est pas inférieure dans son potentiel à des industries telles que aviation, ferroviaire et autoroute. Notez-le bien. Donc, avant de continuer, j'aimerais que nous nous fixions le problème qui consiste ici à se déplacer, bien évidemment, confortablement d'un point A à un point B de la surface de la Terre. OK. Selon le schéma de production standard, lors de l'alignement de la surface terrestre, il est nécessaire de déplacer d'énormes masses de sol, de changer la faune ainsi que la flore. On peut voir tout cela sur cette image. La prochaine étape consiste à créer une fondation multicouche de 2 mètres sous la route. Et seulement alors à ce moment, on peut poser le rail et laisser rouler le matériel roulant. Pour éviter des travaux de terrassement lourds et la destruction de l'habitat des animaux et des plantes, il est possible de soulever la chaussée au deuxième niveau en construisant un pont. Rappelons la méthode utilisée par les enfants au-dessus de la rivière avec un câble tendu comme une corde. Au lieu d'un pont lourd et coûteux, d'accord, on va plutôt poser le câble. Les supports lourds n'étant donc plus nécessaires en ce moment, on les remplace par des supports léger. On va ainsi tirer le câble et fixer ses extrémités dans le sol de la même manière que les cordes sont tendues sur le corps de la guitare. Enlevant ensuite le support intermédiaire qui n'était pas nécessaire, nous plaçons donc notre câble dans une enveloppe. Nous obtenons une structure de rail unique. Eh bien, les principaux éléments technologiques de cette structure de rail sont présentés ici. Nous avons ici la tête du rail, on a les cordes en question, qui sont des faisceaux d'acier, des fils d'acier précontraints. Nous avons un agent de remplissage qu'on appelle, qui est un béton flexible, okay, un béton spécial. Et nous avons le corps du rail. Okay? Un rail à cordes ou rail-corde est une poutre ou une ferme en acier, un béton armé ou mixte. Acier béton armé non coupé en longueur, équipé d'une tête de rail et renforcé avec des cordes précontraintes. Alors, sur cette base, donc, il est possible de construire trois types de structures de trajet, chacune d'elles ayant ses propres tâches, ses avantages. Alors, une structure de rail rigide qui peut supporter des vitesses allant de 100 à 500 km par heure. Une structure de rail semi-rigide pour les vitesses de 50 à 250 km par heure et une flexible pour les vitesses de 30 à 150 km par heure permises. Voici donc à quoi ressemble la conception interne du châssis. On voit tous les différents éléments ici comme les batteries d'accumulateurs, les ressorts de suspension, les convertisseurs de tension, les inverseurs, la roue, moteur et dispositif de secours. Bien évidemment, à l'intérieur, on peut le voir, il y a un système anti-déraillement spécial qui a été mis sur pied. Donc, regardez ici les dimensions réelles du rail semi-rigide et flexible. Voici à quoi cela ressemble réellement. Ces photos que vous voyez ici montrent des aubans supportant le vrai pont. Les mêmes aubans peuvent servir de base à la structure de trajet à cordes. En passant dans ce cas, vous pouvez vous passer des supports intermédiaires dans l'eau. La largeur de la rivière à cet endroit peut être facilement bloquée par une seule travée.
Ceci, ce n'est pas du tout un photomontage, mais une vraie photo prise en octobre dernier dans le Centre de recherche et d'innovation technologique UST à Sharjah. Une caractéristique distinctive des structures de trajet de rail à cordes est que les rails n'ont pas de soudure, ce qui signifie qu'ils n'entendront pas le bruit caractéristique des roues en acier. La tâche la plus importante du transport du deuxième niveau est d'assurer la sécurité maximale des passagers. L'absence de pilote et le passage au contrôle automatique éliminent l'influence du facteur humain. Il est possible de réduire la charge sur la structure du trajet et augmenter la capacité passante de la manière suivante. On peut subdiviser la grande composition en wagons automoteurs séparés et les envoyer non pas une fois par heure, mais toutes les 10 secondes. Avec le développement moderne de la technologie informatique et l'automatisation complète du processus, il ne sera pas du tout difficile de résoudre un tel problème logistique. Alors, revenons aux photos déjà familières, ou plutôt aux roues moteurs. Ceci est l'une des roues moteurs créées spécialement pour le transport à cordes. Les avantages de ces roues sont non seulement la simplicité, la compacité et la puissance, mais aussi la consommation d'énergie réduite. Ceci est simplement facilité par la résistance minimale lors du roulement de la roue en acier sur le rail en acier. La solution la plus importante pour réduire la consommation d'énergie, donc, est de réduire la résistance aérodynamique à l'air. Lorsque la vitesse du véhicule augmente, la consommation d'énergie augmente considérablement aussi. Les courants de vent complexes autour du corps d'une machine qui roule sur le sol affectent grandement la consommation de carburant de celle-ci. Sur le transport de second niveau, les fusées du dessus du sol n'ont pas d'effet. La forme de la coque originale dans la soufflerie permet d'atteindre des performances uniques et inaccessibles. Vous voyez ici, coefficient de frais de traînée est près de 10 fois inférieur à celui d'une voiture conventionnelle moderne. Alors, voici donc l'appareil qui vient d'être présenté sur le schéma précédent en grandeur nature, un Ennis Flash, qui peut aller jusqu'à 500 km par heure. Et pour ces raisons, ce véhicule peut permettre d'économiser jusqu'à 880 tonnes de carburant par an. Alors, maintenant, rappelons les problèmes liés au transport moderne que nous avons vus, à savoir la surcharge de voies de transport, le manque de sécurité, la pollution de l'environnement, la forte consommation d'énergie. En ce diagramme, vous pouvez voir les caractéristiques comparatives des véhicules modernes. Le transport à cordes, que SkyHawk est peint en vert. Nous nous rendons compte que nous avons donc la solution la plus optimale. Le graphique ci-contre montre les avantages du transport à cordes par rapport aux autres technologies modernes de transport. Et ce tableau montre une comparaison des types de déplacements terrestres les plus modernes, à la fois opérationnels et même projetés. Et on se rend bien compte que le système de transport à cordes est 10 fois inférieur aux autres et le plus sûr. Alors, le transport U-Sky, qui est le transport de deuxième niveau, est un transport léger, rapide, économique et écologique. Alors, maintenant, nous passons à la phase où il est question de savoir ce que comment vous pouvez faire pour rejoindre le projet. Alors, pour pouvoir rejoindre le projet, contactez tout de suite la personne qui vous a parlé de ce magnifique projet. Cette personne vous aidera à vous inscrire grâce à son lien d'inscription. Par la suite, l'entreprise propose des investissements pour tout budget à partir de 50 dollars et un plan de versement pratique est mis sur pied, divisé le paiement du package d'investissement par 5 mois. Il y a aujourd'hui plus de 400 000 investisseurs dans le projet, dans plus de 200 pays. Et qu'est-ce que vous gagnerez donc de votre participation à ce projet? Premièrement, des dividendes de tous les projets réussis, de la mise en œuvre de tous les projets de Uniskilling Technologies leur permettra de gagner des bénéfices. Et de ces bénéfices, 20% seront retirés pour être distribués aux investisseurs en termes des dividendes. Le rachat d'actions. La société peut annoncer le rachat d'actions comme elle a fait déjà en 2018, où les 5 000 premiers investisseurs ont pu revendre leurs actions à un montant allant jusqu'à 10 fois. Les actions sont votre propriété.
Vous pouvez les léguer à vos enfants, vos petits-enfants en héritage. Et la dernière perspective d'investissement, c'est que vous pourrez, au moment où l'entreprise décidera d'entrer sur le marché boursier en IPO, de revendre vos actions et profiter de la hausse de la valeur de vos actions sur le marché boursier. L'auteur du projet, c'est ce monsieur, Anatoly Edouardovitch Yunitsky, à qui il a fallu plus de 40 ans de recherche, de calcul et d'expérience pour que sa création voie le monde. Ce monsieur est chercheur et inventeur, auteur de plus de 200 articles scientifiques, 20 monographies et plus de 250 inventions dans les domaines de la construction, de transport, de l'ingénierie, de l'électrochimie, de l'électronique et de l'industrie chimique, autant pour moi. Alors, les détails de sa biographie et développement peuvent être trouvés sur le site uniski.ingénieur. Il y a aussi des matériaux pour ceux qui sont particulièrement curieux avec des calculs bien détaillés. Alors, ici, on a notre CEO avec son attest, le cheikh Sultan bin Mohamed Al-Mahal Qassimi, souverain de Sharjah, qui a assisté au lancement du projet U-Sky pour un système de transport suspendu et UK à Sharjah. Alors, aujourd'hui, nous avons près de 11 modèles de véhicules pour le transport des passagers dans la technologie. Et à côté de cela, près de 4 modèles de véhicules pour le transport de marchandises. Que voici. Le transport sur des rails à cordes se déplace au-dessus des routes et de l'eau sans interférer avec les autres modes de transport. Il s'intègre facilement dans n'importe quel environnement occupant un minimum d'espace à la surface de la Terre. Ni les montagnes, ni les forêts, ni les eaux ne sont des obstacles. Pour le transport à cordes, il n'est pas nécessaire de niveler le terrain, de bloquer les voies de migration des animaux et de détruire la couche fertile du sol. Il a besoin de l'espace au sol le plus minimal qui soit. Le transport à cordes s'intègre aujourd'hui facilement dans le paysage naturel et dans les infrastructures urbaines. Ayant ses propres supports, il peut traverser les bâtiments sans charger la fondation. Au début de 2020, le transport à cordes a été présenté à 18 grandes expositions internationales, de Berlin à Singapour, où il a toujours attiré énormément d'attention. Et nous étions à l'Expo InnoTrans Berlin 2022 aussi. C'est quelque chose de magnifique. Avant d'entrer sur le marché, tout véhicule, en particulier celui impliquant le transport des personnes, doit subir de nombreux tests d'essai. Les documents impliquant donc le transport à cordes à passer les tests peuvent être facilement trouvés sur le site web. Voici le document, le certificat de conformité délivré par l'UVSW. La technologie de transport à cordes a obtenu plus de 83 brevets dans 18 pays, des États-Unis à la Chine. Plusieurs certificats et récompenses également. Sur les diapositives, ici, il n'y a pas un dixième des documents que l'entreprise a. Vous pouvez tous les retrouver sur leur site web. L'entreprise aussi a fait l'objet de nombreux reportages sur des médias, chaînes de médias internationaux comme CNN, TV Tokyo, Gulf News, News 24, Fox News, Business, CNN, The National et bien d'autres, France 2. Sans aucun doute, il est impossible pour une seule personne de mener à bien tout ce travail titanesque. Voilà pourquoi, en 2019, la société Uniski String Technologies a été créée. Et depuis lors, elle emploie plus de 1000 professionnels depuis 2019, autant pour moi. Voilà pourquoi la société Uniski String Technologies a été créée. Et depuis 2019, elle emploie plus de 1000 professionnels hautement qualifiés. La structure est composée de 80 départements et bureaux d'études. La propriété de bureaux et de production couvre une superficie totale de plus de 10 000 mètres carrés. Dans sa propre production, il y a 11 machines complexes qui ont été fabriquées et conçues pour le transport de marchandises et passagers urbains et interurbains à grande vitesse et à hyper vitesse. L'argent des investisseurs a permis de construire un éco-technoparc non loin de la ville de Minsk, en République de Biélorussie. Chaque année, à l'heure de l'Ecofest, des milliers d'investisseurs se rassemblent sur ce site pour voir de leurs propres yeux et s'assurer de la réalité de tout ce qui s'y passe. Et à chaque fois, quelque chose de nouveau
est montré. Alors, en septembre 2018, on a commencé la construction du centre d'innovation UST aux Émirats arabes unis, dans l'émirat de Sharjah. Le centre d'innovation de UST Sharjah est un groupe de recherche et de production qui deviendra l'avant-poste du groupe UST lorsqu'il entrera sur le marché du Moyen-Orient et de l'Asie. Ces photos sont prises en 2019 sur le site de construction de Sharjah. Le transport aux Émirats arabes unis sera clairement une preuve supplémentaire que cette technologie peut fonctionner dans toutes les zones climatiques de la planète. Il ne fait donc aucun doute que tout cela sera bientôt mis en œuvre et il ne nous surprendra plus du tout, comme le fait le métro ou le tram aujourd'hui. Ils nous surprennent plus du tout. Alors, nous pouvons dire clairement que, en termes de résumé, le transport à côte, le sky est un transport innovant qui se déplace au-dessus du sol. Il est à haute vitesse, sûr, efficace, facilement intégrable et écologique. Alors, je vous dis merci. Merci pour votre aimable attention. Parvenu au terme de cette présentation, je vais vous laisser avec cette vidéo du leader Alain Bonfils du Cameroun qui était présent à l'Expo 2020 l'année dernière à Dubaï. Cette vidéo où il est devant un mini flash. Et je vous dis rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres nouvelles friandes du projet. Ok, là, chers amis du Cameroun et d'Afrique francophone, nous sommes dans le bus à grande vitesse. Chaque fois, on a l'habitude de le voir dans la télé. Aujourd'hui, c'est du réel, mes amis. C'est du réel. Je vous invite à adhérer massivement à l'idée du concepteur, le docteur Patrice. Il faut participer à ce projet. Et vraiment, c'est du réel. Le financement s'achève d'ici peu et je vous invite massivement à pouvoir adhérer le plus tôt possible. Là, nous sommes comme vous pouvez le constater, au centre d'innovation technologique de Sharjah avec les autres invités qui sont venus de par le monde pour voir cette technologie de leurs propres yeux. Donc, adhérer massivement. Cameroun, Hoye, Africa, Hoye, Uniski String Technology, Hoye.